Yo à tous, ici Lou et bienvenue dans l'autre façon de jouer. Et on se retrouve sur Raventown pour continuer la construction de cette gare. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à faire des marquages pour ce qu'on va faire dans cet épisode. En fait, on va délimiter la gare en trois zones distinctes. Donc, cette zone, une zone centrale et les deux zones, on va dire, d'accueil. Les deux zones où il y aura les portes, enfin les ouvertures pour rentrer. Donc on va faire cette limitation. Et pour ça j'avais pensé, comme à notre habitude, faire des arches. Vous allez en avoir marre des arches à force, hein, mais je me disais que ça rendrait plutôt pas mal. Alors j'ai déjà déterminé avant la forme des arches, donc on va pouvoir construire ça ensemble. Donc alors pour toute la partie, pour tout le reste, on va mettre. Alors attendez, parce que je réfléchis, est-ce que je l'ai fait assez haut? Normalement, c'en est là, voilà, c'est ça. Donc on va le faire directement avec la brique aussi au-dessus. Et on va faire de l'autre côté pour voir sans brique ce que ça donne aussi quand même, parce que j'avais pensé faire de la brique pour au niveau de la jointure, mais je voulais voir ce que ça donnait sans brique également. Donc comme vous pouvez voir, donc on fait 1, 1, 2. Donc là c'est complètement en diagonale, donc ça posera pas de soucis. Donc là c'est 2 à nouveau. Hop. 2 encore. Donc là, hop, on peut voir ça descend à 2. Donc là il y a 4 de longueur. 2, 3, 4 et ici, donc on met pas de briques, il y a 7 de longueur, 4, 5, 6, 7 et après c'est directement là. Donc on peut le voir, ça rend plutôt bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Donc hop, on est reparti pour recommencer. Donc je rappelle les dimensions. Donc 1 au niveau de la ligne de stone brick ici, ensuite un niveau plus haut ici, ensuite 2 à la ligne juste après, donc ici 1 et 2, on peut voir 1 1 2 2 à nouveau. Cette partie-là va être plutôt rapide, hein. Je pense qu'on va faire les entrées aussi dans cet épisode. Ensuite, donc, comme j'avais dit, 4, pour ceux qui se souviennent. Et 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voilà. Donc ça nous donne notre arche. Bien sûr, à cet endroit-là, il y aura le mur. Mais ça c'est pas grave, hein. L'arche, les murs ont été construits après la structure complète. Donc on va le laisser comme ça, hein, bien évidemment. Donc vous pouvez voir, attends, je vais me reculer un petit peu, voilà. Donc en diagonale, je trouve que ça rend bien, quoi. Ça fait à peu près le même effet que si c'était en ligne droite. Donc on va faire la même chose ici, mais sans la brique, pour voir ce que ça donne. Je pense qu'on va laisser la brique, hein. C'est juste par curiosité, je me demande ce que ça peut donner. Voilà. Alors, hop. 2, 2. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je rappelle 1, 2, 1 à nouveau, pardon, j'ai failli dire 2. Hop, là on fait 2, ensuite on le monte d'un niveau, on fait 2 à nouveau. 4 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voilà. Donc ça donne ça, et ça rend quand même beaucoup mieux avec la brique.
Je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. Donc je rajoute la brique. Voilà. C'est pas grave, ça fait perdre un peu de temps, mais de toute façon, on n'est pas pressé. Donc, on va faire ça de l'autre côté. Je vais quand même, dans le coup, vu que je l'avais pas fait. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait les murs à cet endroit-là, parce que je voulais faire cette arche avant. Mais maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'occuper du mur et voir ce que ça donne. Je pense que dans cette diagonale-là, on va mettre de la stone brick aussi jusqu'au plafond, jusqu'ici. Voilà. Donc comme ça, quand on sera là, ça donnera ça. Ce qui rend plutôt bien. Et ensuite, donc je vais pas faire tout le mur, hein, c'est juste un petit peu pour voir ce que ça va donner. Ah, mince. C'est à ce niveau-là. C'est ici. Voilà. Alors, faut voir ce que ça donne de l'intérieur et de l'extérieur. Non, si je me trompe. Ouais, je le modifierai après, hein, c'est pas grave. Mais je pense que ça peut donner un résultat vraiment très sympa. Dans le coup, il y aura quand même des ouvertures, hein, ça fera pas aussi bloc. Là, il y aura des bureaux, il y aura, ce sera, c'est, enfin, ce sera, ça restera pas aussi bloc, quoi. Peut-être juste ce mur-là qui restera fermé. J'aurais fait combien? 4? Ouais, 4, ça sera très bien. 5 même. Donc, j'avais pas compté celui-là. Non. Ici. Ah, décidément. Faudrait que j'enlève ces bois de mon inventaire parce que le gris me perturbe. On dirait vraiment de la stone brick, celui-là, là, dans l'inventaire. Donc, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, hop, comme ça, j'ai mon petit repère. Comme vous voyez, hein, la gare avance plutôt bien. Là, il restera plus qu'à faire l'entrée et je finirai les murs entre les deux épisodes, entre cet épisode-là et l'épisode prochain. Ah, décidément. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Faudra que je modifie complètement le sol aussi. Mais ça peut être fait assez rapidement, hein, de toute façon. Voilà, alors. Mince. Ça sera déjà suffisant pour se donner une idée. Voilà. Alors, déjà, hop, on regarde là. C'est pas. Non, ça rend plutôt pas mal, hein, dans le coup. Ici aussi, hein. Ça. Moi je trouve ça logique, même si dans le coup ça fait pas une symétrie par rapport à cette partie-là, vu qu'on sait que la gare continue plus loin, bah c'est pas gênant du tout au final. Parce que, je le rappelle, oui, il y aura des ouvertures, donc ça se verra bien que la gare continue après. Donc ouais, non, on va le laisser comme ça. Donc je vais faire, bien sûr, au début ce sera en mur complètement brut, et après je ferai les ouvertures, hein, là. Vous pouvez le voir, le sol il permet pas d'ouverture pour l'instant, mais ça viendra après. Donc faudra faire des ouvertures ici. Ok, faire des ouvertures ici. Et alors, on va pouvoir s'attaquer à la grande entrée. Je vais essayer de donner une forme un petit peu gothique, si je peux. Il faudrait que je fasse le sol ici aussi. Bon, on verra bien. On verra après. Ok, alors. Réfléchissons. Réfléchissons. Je vais pas la faire pile au centre. Je vais la faire un petit peu excentrée par ici. Donc je pense que. Alors je vais compter combien elle fait de longueur, cette endroit. Donc. Oups. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Non, 34. 34, 34, tiens, ça fait un nombre pair. Étonnant. C'est pas grave. Donc, je vais commencer. Je pense que je vais laisser 5 d'espace, 5 blocs ici. Et commencer l'ouverture ici. Alors, donc, hop, 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 hop. On peut faire une ouverture de quelle taille? On fait quelle taille celle-là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 18 plus 7, 25. Oui, c'est vrai, on avait choisi 25. Donc peut-être la faire moins large. Je vais voir. Et pas aller tout en haut non plus. Alors, je fais un petit peu le ménage au niveau des blocs pour se donner. Parce que là, j'ai rien prévu. Hein. Là, ça va être au feeling. De toute façon, faut que je le sente bien pour que ça fasse un truc sympa. Alors, là, il y a combien d'espace? 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9. 9, ça me paraît pas mal. On va essayer de faire une ouverture un peu. D'ailleurs, on peut peut-être même faire deux ouvertures. Donc, là, 5. Je regarde juste ce qui se passerait si on fait deux ouvertures. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on fait 10, si on fait 10, ou là, ou alors non, hop, ça je le mets comme ça, et si on fait 9 à nouveau ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça nous amènerait ici, ça peut être pas mal, une double ouverture. Dans ce cas-là, il vaudrait peut-être la faire un petit peu moins large. Peut-être plus vers 7. Vers 7 et... Donc ça nous ferait 7 ici aussi. 3, 6, 7. Ça nous emmènerait ici. On est là pour faire des tests. Hein, mais j'aime bien l'idée de double ouverture. Enfin, de double entrée. Faut que j'enlève ça ici aussi. Voilà. Alors. Ça nous emmènerait. Hop. Ah, j'ai peut-être une idée de ce qu'on peut faire. Ça peut donner un effet sympa. Donc ça, je le monte jusque là. Et de faire. Alors, jusqu'à. Il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4. Je suis bête, il y a 7. J'avais déjà compté. Donc 1. Donc ça ferait un arc de cercle de 9. Un arc de cercle de 9. Attendez, parce que je réfléchis en même temps. Donc vous savez quoi? Je vais réfléchir à un truc, je vais construire un petit peu hors caméra. Je vous reprends tout de suite, parce que j'ai peut-être une idée, mais ça demande un peu de réflexion, donc plutôt que de vous montrer un épisode de blanc, je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà avec ce que j'avais pensé. Donc là, on a un arc de cercle directement, et donc ça serait de faire la même chose en symétrique de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, là, j'ai un petit peu trop cassé. Il y avait 3. Bon, maintenant que j'ai fait un côté, hein, le reste, on peut le faire ensemble. C'était juste pour visualiser et pour me donner un avis, mais on va voir en entier ce que ça va donner. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et assez original comme entrée. Et là c'est 2 et 2. Ok. Voilà.
Ouais, je suis plutôt satisfait du résultat. On va voir de l'extérieur ce que ça donne. Ça donne un effet assez sympa avec je trouve, avec la colonne au milieu. J'aime bien avec la colonne à la rigueur. Bon, j'ai pensé à un truc, on va faire la même chose de l'autre côté avec la petite modification que... C'est bien aussi d'avoir deux côtés, ça permet de faire des modifications. Bon, alors, je vais casser ça tout de suite. 7, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je pense que vous avez déjà tout de suite compris la modification que je voulais faire. C'est doubler l'épaisseur de la colonne. De la colonne centrale. Ça, c'est juste une petite chose, mais ça peut rajouter quelque chose de très intéressant. Voilà, des fois il suffit de pas grand chose pour améliorer une construction. Donc c'était 2, 1, 2, alors là si je me souviens c'était 5, là c'était 3. Ah, me serais-je planté? 5, 3, 2, 2, 1. Ah oui, je me suis planté. 3, donc, hop, c'était ici, ici, ici et ici. Voilà, c'était pas très grave. On va corriger ça tout de suite. Voilà. Ça va être mieux. Alors, on va pouvoir voir tout de suite. Je suis plus content, plutôt content de ce que ça donne. J'avais imaginé vaguement quelque chose de ce style-là, mais ça rend aussi bien que ce que je pensais. Donc ouais, je suis plutôt content. Vraiment gratifiant. Dans le coup, ouais, je suis désolé que vous n'ayez pas eu d'épisode la semaine dernière. J'étais assez occupé. Ouais, ça, je trouve que ça rend mieux avec la double colonne. Donc, ouais, on va faire ça. C'est une intuition que j'ai eue, le fait de faire une double colonne. Je sais pas, ça m'est venu d'un coup. Et j'ai eu raison de suivre mon instinct. Voilà. Donc ouais, ça rend bien, je trouve. Ça rend plutôt bien avec les arches en plus. Bien sûr, on va s'occuper du toit, hein, vous en faites pas, ça va arriver. C'est pas... Ah bon, en plus on voit bien avec les deux sols. Ça, oui, ça donne un effet assez marrant. Hop, il y a juste... Donc je pense que je vais faire le sol à ce niveau-là quand même. Et je... Comme ça, ce que ça donnait. Avec des escaliers aussi, escaliers en stone brick. Ici, pour enlever ce bois qui me perturbe. Alors, bien sûr, ça va être gênant pour avoir les orientations. Ah,
Ouais, mais non, ça va pas le faire, ça. Alors, faudrait. Je suis comme ça, ça va. Hop. Non, c'est. Voilà. Non. Ah, décidément, il veut pas se mettre comme je veux, lui. Alors, attendez. Ça va le faire. Voilà. Ok. Ah oui, mais non, ça pose souci. Ah là là, l'orientation des escaliers, c'est un vrai casse-tête. Donc là, faut que je fasse comme ça. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir. Ah, c'est dommage, ça serait plutôt sympa si on pouvait faire ça, justement. Ça, on pourrait pas faire quelque chose. Je regarde bien comment c'est fait, hein. Non, alors hop. Voilà, comme ça c'est mieux. C'est compliqué les escaliers, hein. À poser, c'est une vraie galère des fois, hein. Oh là là. Ah non, mince, je suis bête, faut casser ça avant. Je me disais, il y avait quelque chose de bizarre dans la façon de faire cet escalier. Voilà, et on le fait comme ça. Donc c'était bien dans ce sens-là quand même qu'il fallait les mettre. Hop, hop, hop. Donc, et ici. Voilà. Ah ouais, ça va. Ça va, ça le fait. Je trouve ça même mieux comme ça que. Ok. Non mais c'est très bien. Donc je vais faire ça ici aussi. Je vais casser ça là. Ça, pour vous donner une idée, c'était pas du tout, mais pas du tout prévu. Donc ça c'est de la pure impro. Hop, c'est les idées comme ça qui viennent. C'est l'inspiration. Hop, et voilà, c'est en fait le fait qu'il y ait ça, ça nous permet de. De corriger le problème qu'on avait. Non. Ah! Pourquoi là ça veut pas? Ah oui, mais là non plus. Ah, me serais-je trompé dans l'orientation? Je me suis trompé dans l'orientation. Alors là, c'est vraiment pas de bol. Bon, bah on va recommencer, hein. C'est pas grave. On a tenu notre temps. Donc, faut que ça fasse comme ça. Donc, faut que ça s'oriente comme ça. Voilà. Là, ça va être mieux comme ça. Hop. Et là, faut que ça soit comme ça. Voilà. Là, ça marche. J'avais pas fait gaffe que ça s'était pas bien orienté. Non. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et voilà. Et on a notre entrée dans la gare. Hop, qui nous surélève un petit peu. Pour redescendre ensuite, évidemment. Je pense que là on va faire une ouverture. Une ouverture collée au mur en forme de demi-arche. C'est pareil, inspiration. Voilà. Non, vous savez quoi, on va même la faire aller jusque là. Alors, il y a combien? Il y a 5. 2, 3, 4, 5. On va faire monter.
Ouais, ça va. Monter à même niveau que les fenêtres, donc c'est plutôt correct. Maintenant, faut voir avec avec toute la brique. Pour voir ce que ça donne. Alors, est-ce que... Oh, non, on va pas monter comme ça jusque là. Voilà, juste comme ça, ça sera très bien. Pas besoin de trop en faire non plus, hein. Toi, tu vas aller jusque là. Donc ouais, ça fera notre première ouverture. Au moins comme ça, on peut se balader partout sans avoir à sauter partout dans tous les sens pour traverser les constructions. Je pense qu'on va faire ça, on va faire ça de l'autre côté aussi. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura quand même déjà pas mal avancé. On aura fait des petites arches pour le sommet. On a fait les deux entrées. On a fait ça en plus. Ce qui rend ça, ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt pas mal. Je suis assez content. Donc 2 2 1 2. Et bah tout. Voilà. Ce sera très bien. Et juste ici, je pense que je vais... Je le fais maintenant. Ah, décidément. Je vais faire la ligne maintenant aussi. Comme ça sera fait. Donc bien sûr, il y aura une séparation ici. Je vérifie. Mince, où est-ce qu'elle correspond? Ouais, c'est bien ça. Donc après, j'hésite encore de la faire aussi épaisse que celle-là. Peut-être pas dans le coup. Vous savez quoi? Je ferai quand je ferai le remplissage. Je ferai un côté épais comme ça et l'autre fin comme ça. Donc voilà, ça vous donnera. Ça nous donnera une idée de ce qu'on va choisir. Voilà, bon bah je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais finir de remplacer ça. Mais il faut que je sache où m'arrêter. Voilà, c'est très bien. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit thumb up, à partager la vidéo, à faire découvrir la chaîne, à montrer votre soutien, à proposer des idées pour améliorer cette gare et prochainement cette ville. Parce que oui, je le rappelle, c'est pas juste une gare qu'on est en train de construire, c'est toute une ville. Donc voilà. Mais ça prend forme petit à petit, ça prend une très très bonne tournure, je trouve. Moi je suis extrêmement satisfait. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode et on va se quitter devant l'entrée. Allez, see you.